وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Donc il faut purifier son cœur. Purifier son cœur du polythéisme en ayant dans notre cœur la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le monothéisme pur. Lui vouer un culte pur et sincère. Purifier son cœur des innovations dans l'islam, dans les croyances innovées, ou de l'amour de certaines innovations, ou certaines personnes de l'innovation. Purifier notre cœur de la haine que l'on pourrait porter pour les croyants, et en premier envers les sahaba radiallahu anhum. Il faut les aimer pour Allah, car ce sont les meilleurs hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala les a agréés de leur vivant. Purifier notre cœur envers les imams de cette communauté, les pieux prédécesseurs, les trois premiers siècles, les savants de la sunna qui ont répandu ce prêche béni jusqu'à nous, les héritiers des prophètes qui ont pris ce message, cette révélation de main à main, de bouche à oreille jusqu'à aujourd'hui, pour qu'elle nous arrive aujourd'hui. Purifier notre cœur envers les croyants. Purifier notre cœur de l'amour de ce bas monde, de l'orgueil, de la haine, de la jalousie, de tous ces défauts qu'Allah déteste, subhanahu wa ta'ala. Si une personne dans son cœur a la foi sincère en Allah, il aime Allah, il aime son messager, il aime ce qu'Allah et son messager aiment, et il aime les choses, les actes et les paroles qu'Allah et son messager aiment, et il déteste ce qu'Allah et son messager détestent, et il déteste les actes et les paroles et les états qu'Allah et son messager détestent. C'est ça, purifier le cœur. Il faut faire attention de ne pas faire partie des gens qui auront les secrets dévoilés, et ce seront des mauvais secrets, ce seront des visages assombris et avilis et rabaissés. Sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.